Hey bien, salut à tous, c'est Graven pour ce 16e épisode sur le développement en Java. Et donc aujourd'hui, nous allons attaquer une nouvelle notion dans laquelle je vais vous parler des callbacks avec ce langage. Donc un callback ou rappel de fonction en français, c'est tout simplement le fait de passer des fonctions dans les paramètres, dans les arguments d'une autre fonction pour pouvoir ensuite les rappeler, tout simplement. Mais là, vous allez me dire à quoi cela va nous servir. Et bien justement, dans cette vidéo, à travers différents exemples, on va essayer de comprendre mieux cette notion qui est un petit peu abstraite si vous voulez. Donc pour cela, vous allez vous rendre sur votre IDE et on va commencer par un premier exemple. Donc j'ai déjà créé un nouveau programme qui s'appelle callback avec la classe principale main et une fonction main qui s'exécutera lorsque notre programme va se lancer. Tout simplement. Jusque là, je vous apprends rien, c'est quelque chose de relativement simple qu'on a vu au tout début de cette série. On va commencer par un exemple très simple, une soustraction. Pour cela, on va faire que lorsque notre programme s'allume, on enclenche une fonction qui s'appellera subtract, qui va prendre en paramètre une première valeur, 10, qui va être soustraite à une deuxième valeur, 7. D'accord? Donc là, cette fonction n'existe pas encore, bien sûr, donc on va venir la créer. Pour cela, vous allez mettre votre souris dessus et vous allez faire create méthode. Donc là, ça va la générer et par défaut, au niveau du nom des arguments, la première valeur va s'appeler i et la deuxième j, donc on va pouvoir les renommer. Donc là, je vais l'appeler a pour la première et b pour la seconde. Donc pour faire ce calcul, c'est très simple, on va venir ici créer une nouvelle variable de type in, puisque c'est un entier, qui va s'appeler result. Et ce sera égal à la valeur de A moins la valeur de B, tout simplement. Donc une fois qu'on a ce résultat-là, on peut très bien l'afficher. Donc ici, je vais faire un petit 6, vous faites CTRL espace et on peut continuer à écrire out. On fait entrer et ça l'a généré. Donc ici, par exemple, je peux mettre le résultat de cette soustraction est 2 points. Et là, on va échapper la variable result. Tout simplement. Donc je vais exécuter mon programme et là on aura donc le résultat de cette soustraction est 3. Donc ça fonctionne parfaitement. Si j'essaye avec une autre soustraction, par exemple 10 et 4, j'exécute le programme et là on aura 6. Donc ça fonctionne plutôt bien. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est par exemple de savoir si le résultat du calcul est positif ou négatif. Donc pour cela, je vais faire une petite condition pour vérifier si le résultat est supérieur à 0. Si c'est le cas, on va entrer dans le bloc conditionnel et on va mettre un petit message dans la console en mettant le résultat est positif. Sinon, on va mettre notre else et bien bah, le résultat est forcément négatif. Donc là, le résultat est négatif. Donc je vais venir tester ça, on exécute et là ça fonctionne parfaitement. Si j'avais mis ici par exemple 10 moins 12, donc dans ces cas-là on aurait moins 2, et bien là le résultat est négatif, donc notre condition fonctionne parfaitement. Mais là vous allez me dire, qu'est-ce que tu nous racontes, ça on sait déjà. Et bien maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir se concentrer sur ce système de callback, de rappel de fonction. Par exemple, on pourra rappeler une fonction lorsque notre résultat est positif qui s'appellera onPositiveResult et qui fera une série d'instructions. Pareil, si le résultat est négatif, onNégativeResult, et ça fera d'autres instructions. Donc pour cela, je vais venir créer ici une nouvelle interface. Alors pour ceux qui ne se rappellent pas, j'avais déjà fait une vidéo dessus qui sera juste ici en fiche, mais une interface, c'est un ensemble, un contrat de plusieurs méthodes abstraites. Donc des méthodes qui n'ont pas de corps et qu'on va devoir redéfinir et par conséquent, bah, mettre du code à l'intérieur pour faire des instructions, tout simplement. Donc là, je vais créer une interface qui va s'appeler CalculListener. Comme ceci, on fait finish et ça va la générer. Alors ce que je vous recommande, par exemple si vous êtes sur Eclipse, vous pouvez faire écran scindé pour avoir un code d'un côté et un code de l'autre. Donc pour cela, on va prendre la première classe main et on va venir la glisser juste en dessous et comme ça, on a nos deux écrans. D'accord? Donc dans cette interface, comme je vous ai dit, on va créer deux méthodes abstraites. La première si le résultat est positif et la deuxième si le résultat est négatif. Donc pour cela, on va faire public abstract void puisque ça ne va rien retourner. On positive result comme ceci. Pareil pour la seconde, public abstract void on négative result. Super. Sachez également que comme on est dans une interface et que c'est forcément des méthodes abstraites, on n'a pas besoin de préciser ceci devant. Donc on peut venir les supprimer et ça se générera automatiquement lors de la compilation du programme. Super. Donc maintenant qu'on a notre interface, on va pouvoir l'utiliser. Donc comme je vous ai dit, le but du callback, ça va être de faire passer des fonctions dans les paramètres d'autres fonctions. Donc on pourrait imaginer que lorsqu'on fera la fonction subtract, on aura donc A, B, mais on peut également prendre en paramètre notre fameux calcul.
que Listener, qui aura pour nom par exemple Listener. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Regardez ce que je vais faire. Je vais rajouter ici une petite virgule et faire New Calcul Listener pour faire une nouvelle instance de cette interface. Je fais entrer, attention, hop. Et là, ça a tout généré ce que j'ai défini comme interface. Et oui, parce que là, le onPositiveResult, on va pouvoir lui définir un corps et faire ce que l'on souhaite. Par exemple, ici, si le résultat est positif, je mets c'est bien. Pareil pour la fonction onNegativeResult, on peut lui mettre des instructions. Par exemple, je vais mettre à nouveau un SysA, puisqu'on fait beaucoup de consoles, on n'a pas d'interface graphique, contrairement à la série Android, par exemple. Et je vais mettre attention, avec un point d'exclamation à la fin. Et donc là, les fonctions que je viens de définir, on va pouvoir les rappeler à l'endroit que l'on souhaite. Et oui, puisqu'on a passé en paramètre un listener, donc ici, si le résultat est positif, je peux très bien faire listener.onPositiveResult et ça va faire appel à cette fonction et par conséquent exécuter ce code c'est bien. Pareil, si le résultat est négatif, on va faire ici listener.onNegativeResult. Donc j'exécute le programme et là vous allez voir, le résultat de cette soustraction est moins 2, donc c'est bien négatif, ça va rentrer dans cette condition et faire appel au onNegativeResult qui envoie le message attention. Donc là j'ai bien fait ce rappel de fonction, donc ça fonctionne parfaitement. On va enchaîner avec un deuxième exemple qui peut vous parler un peu plus. Les chronomètres. J'avais déjà également fait une vidéo sur ça, parce que ce qui est intéressant dans un chronomètre, c'est justement d'avoir les différentes phases. Lorsqu'un chronomètre est lancé, lorsqu'il est en cours d'exécution, et enfin lorsqu'il est fini, pour pouvoir exécuter d'autres choses par la suite. Eh bien, on va pouvoir faire ça avec les callbacks. Donc je vais fermer cette classe, je vais supprimer également la méthode subtract et le code, et on va repartir sur des bases saines. Donc ce que je vais faire, c'est venir ici créer une nouvelle classe qui va s'appeler custom. Timer. On fait finish et ça va la générer. À l'intérieur de cette classe, on va créer un mini chronomètre de 10 secondes qui va permettre de faire des choses, d'accord? Donc comment on va caractériser un chronomètre, vous allez me dire? Eh bien pour cela, il nous faut deux attributs de la classe. Le premier, ça va être un attribut privé de type timer qui sera en java.util, vous trompez pas. On va l'appeler timer. Et le second, ça va être un attribut de type privé qui sera un entier et qui sera le temps en secondes, donc time in sec, tout simplement. Donc une fois que j'ai défini les attributs, on va créer le constructeur qui va être appelé une fois qu'on va instancier, qu'on va appeler, qu'on va créer ce custom timer. Donc ici, on va faire public custom timer. Donc on va prendre aucun paramètre, pas besoin. On ouvre les accolades et là, on va dire que vis.timer, donc cet élément-ci, pour l'instant, il est égal à rien, donc il y aura une erreur. On va lui dire que ce sera égal à un nouveau timer vierge. Donc on instancie cet objet. Super. On saute une ligne à nouveau. Et le temps par défaut sera égal à 10 secondes. Donc là, vis.timeInsec est égal à 10 secondes. Maintenant que ceci est fait, on va créer une fonction start qui va permettre de lancer le chronomètre. Donc pour cela, c'est très simple. On va faire un petit coup de timer.schedule. Et là, on aura besoin de deux paramètres. Le premier, c'est un timer task. Donc je fais ici new timer task, on fait entrer et on peut voir que ici on a aussi un callback, tout simplement parce que notre fonction schedule, elle fait à un moment dans son code appel à la méthode run, tout simplement. Donc c'est ça qui est intéressant et lorsque je mettrai du code à l'intérieur, ça s'exécutera et ce sera appelé par la méthode schedule. Donc ici au niveau du délai, on va faire que ce sera chaque seconde, donc 1000 millisecondes comme ceci. Et pour que ça fasse un vrai chronomètre, il faudra enlever à chaque seconde 1 à notre timer insec, tout simplement. Donc ici je vais faire time insec moins moins et dans ces cas là à la première seconde on aura un 10, 9, 8, 7, etc. Et donc maintenant si notre timer est égal à 0, dans ces cas là on va non seulement pouvoir envoyer un message dans la console en mettant stop et en plus on va pouvoir arrêter le démarrage du chronomètre. Dans ces cas là il ne va pas continuer à s'exécuter et faire moins 1, moins 2, moins 3, etc. Vous avez également la possibilité dans la fonction run de pouvoir envoyer un message dans la console en mettant le temps actuel en seconde. Donc ici on va simplement afficher time in sec plus un petit s pour avoir quelque chose d'un peu cohérent. Donc ici on a bien une classe valide. Maintenant on va pouvoir l'utiliser dans la classe main et maintenant lorsque notre programme s'allume, on va créer une nouvelle variable de type custom timer qui s'appellera timer. Ce sera égal à une nouvelle instance de l'objet qu'on vient de créer juste avant et on va faire un coup de timer.start pour lancer le démarrage du chronomètre qui va durer donc 10 secondes. Donc j'exécute le programme et là on aura dans la console un petit chrono qui va continuer à s'exécuter 6, 5, 4, 3, etc. etc. Et quand il va arriver à 0, tac,
tac, il s'arrête net et ça met un petit stop. Donc maintenant qu'on a ça, on va pouvoir implémenter, ajouter ce système de callback. On va faire qu'aux différents moments du chrono, on actionne des fonctions qu'on aura définies au préalable. Donc pareil que tout à l'heure, on va venir ici créer une nouvelle interface qui va s'appeler cette fois-ci TimerListener. Donc à chaque fois que je mets listener, c'est que je fais référence à un événement, à quelque chose qui va se déclencher à un moment précis. Mais sachez que les callbacks, ce n'est pas que ça. Là, c'est juste pour mieux m'illustrer parce que c'est quelque chose qui parle à tout le monde, les événements. Donc ici, on clique sur Finish et ça va générer notre interface. Donc là, je vais créer trois petites méthodes abstraites qui vont se déclencher à des moments précis dans mon chronomètre. Lorsque le chrono se lance, lorsqu'il est en cours d'exécution et lorsqu'il se finit. Donc on va créer ces petites fonctions. Donc pour cela, on va commencer par la première, le onStart qui s'exécute lorsque le chrono démarre. Ensuite, la seconde, c'est lorsque le chrono est en cours d'exécution, onRun. Et le dernier, lorsqu'il est fini, onFinish, tout simplement. Donc là, comme tout à l'heure, je vais scinder mon environnement de développement en plusieurs morceaux, en plusieurs parties, pour pouvoir travailler sur plusieurs classes à la fois et ainsi être à l'aise dans mon développement. Donc on va commencer par la classe main, donc je vais la prendre et la glisser juste en dessous. Et ensuite, on va prendre le TimerListener et glisser juste en dessous comme ceci. Donc là, on a vraiment quelque chose de plutôt correct et on peut travailler sur les trois classes à la fois. Donc maintenant qu'on a tout de près, on va pouvoir prendre en paramètre de la méthode start le fameux TimerListener qu'on a juste ici. Donc ici, je fais un TimerListener qui va s'appeler Listener. Comme tout à l'heure, je vais avoir une erreur sur le start puisque maintenant, il va me demander d'instancier un new TimerListener. Donc je fais entrer, attention, hop! Et là, on a toutes les fonctions qui ont été générées. Donc par exemple, dans le onStart, je vais mettre un petit message en mettant lancement du chrono. Dans le onRun, on va mettre un message par exemple loading. Et enfin, dans le onFinish, on va mettre un dernier message en mettant c'est fini, comme ceci. Donc maintenant, comme tout à l'heure, on a fini de mettre les instructions de chacune des fonctions, onStart, onRun et onFinish. Il va falloir maintenant les placer, dire à quel moment on les déclenche. Et oui, donc le onStart, il va se déclencher au lancement de la méthode. Donc là, pas de souci. On va faire un coup de listener.onStart. Ensuite, le onRun, il va se mettre à chaque seconde, donc dans la fonction run. Ici, listener.onRun. Et enfin, le onFinish, bah, c'est quand le timer arrivera à zéro. Donc ici, je vais mettre listener.onFinish. Finish et ça fera appel à la fonction onFinish. Donc on va tester ça, je vais lancer le programme, on fait OK et attention, donc lancement du chrono 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, attention 0. Loading stop, c'est fini, donc ça a bien fonctionné. On peut voir qu'au début, ça a bien mis le lancement du chrono. À chaque seconde, on avait le petit message loading. Et enfin, à la fin, c'est fini. Donc ça fonctionne parfaitement. Donc vous voyez que finalement, c'est quelque chose de relativement simple à comprendre. Mais il faut vraiment bien vous entraîner pour vous imprégner de cette notion. Puisque vous n'allez pas vous en servir tout de suite. Il faut vraiment voir dans quel cas on l'utilise. C'est très important. Bien sûr, je vous mettrai en description un quiz pour vous entraîner. Ainsi que quelques travaux pratiques avec l'heure corrigée pour vraiment voir si vous avez bien compris tout ça. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager, à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait et à faire le quiz dans la description pour vous entraîner. En tout cas, c'était Graven. Ciao à tous et à la prochaine.